Comment être plus efficace et productif dans votre business pour attirer l'abondance grâce à la technique des micro et macro actions? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiax Academy. Dans cette vidéo, je vais vous partager 5 actions puissantes à pouvoir appliquer aujourd'hui dans votre business pour pouvoir être plus efficace, attirer l'abondance en utilisant le principe des micro et macro actions. Si vous n'êtes pas familiarisé au monde de l'économie, peut-être que les mots micro et macro ne vous disent pas grand-chose. Je tiens déjà à vous rassurer, cette vidéo n'aura pas un lien direct avec les notions habituelles qu'on vous présente lorsqu'on parle de micro et de macro. Même s'il y a un lien, vous verrez qu'elles seront vraiment très applicables de façon très simple pour pouvoir les utiliser pratiquement aujourd'hui dans votre business. Quel que soit votre niveau de connaissance en matière de business, d'économie, vous allez comprendre des principes très simples vulgarisés ici pour vous permettre de les utiliser pratiquement. Il y a toujours dans chaque angle de vue un angle beaucoup plus large et un angle beaucoup plus restreint, plus réduit. C'est donc le principe de macro lorsque c'est plus large, plus grand, et le principe de micro. Lorsqu'on étudie par exemple un marché, on peut analyser différentes données. On prend ces données macro, on prend un état beaucoup plus large, beaucoup plus grand, plus général, et puis un état micro, on rentre dans un point beaucoup plus spécifique. C'est un peu ça pour simplifier et vulgariser le propos, le principe de micro et de macro. Et vous allez voir surtout dans un instant comment ça va s'appliquer dans votre business pour pouvoir véritablement être plus efficace et productif pour attirer l'abondance chaque jour de votre vie. Et pour compléter cette image, cette métaphore, cette allégorie, lorsqu'on parle de macro, c'est un peu comme si vous regardiez de loin l'ensemble, le volume, le global, et puis ensuite, quand vous regardez le micro, vous rentrez dans les détails pour voir ce qui se passe. Un peu comme si vous regardiez un plan plus large d'un pays, et en plus, ton niveau micro, vous rentrez peut-être dans chacune des rues. On peut comme ça, lorsqu'on comprend le principe de micro et macro, simplement se dire qu'il n'y a pas une règle absolue en disant c'est quoi la dimension exacte pour être dans le macro et quelle est la taille du projet, de l'objectif pour être dans le micro. On peut simplement réaliser, et c'est ce qui nous importe pour cette vidéo, c'est qu'à chaque projection, à chaque point d'observation, à chaque angle de vue, il y a toujours un angle macro de la situation et un angle plus micro. Et dans un court instant, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir faire le lien direct dans vos actions tous les jours pour pouvoir être plus efficace et productif dans votre business et attirer l'abondance chaque jour de votre vie. Et juste avant de rentrer dans la première stratégie, dans laquelle ici tout deviendra beaucoup plus clair et limpide pour vous dans cette métaphore et cette image, je voudrais vous dire ici quelle est l'erreur que l'on fait souvent pour que vous compreniez la vue d'ensemble et à la fin de cette vidéo, toutes les pièces du puzzle rentreront dans le bon ordre et auront beaucoup de sens pour vous. Voici l'erreur lorsqu'on est entrepreneur et passionné de liberté. Bien souvent, lorsqu'on est dans l'opérationnel, on exécute, on fait des choses, on est souvent en train de confondre des actions à devoir faire dans un niveau macro et des actions à faire dans un niveau micro. Et vous verrez que les actions ne sont pas les mêmes à faire quand on est dans un micro, une micro-activité, une micro-tâche, et puis lorsqu'on est dans des actions qui sont plutôt macro, un peu plus larges. Je parle souvent sur cette chaîne de cette notion de réflexion stratégique qui précède toujours les actions stratégiques. Lorsque vous êtes dans des actions, dans l'exécution, il faut toujours qu'il y ait un temps de réflexion qui précède. C'est un peu ce principe. Vous verrez que ça s'aligne exactement à ce conseil, c'est que à chaque fois avant de faire ses actions, pour ne pas confondre l'état macro ou micro, il faut toujours prendre du recul et avoir ce temps de réflexion stratégique pour vous dire, eh bien, quelle est ici la vision macro, large d'abord, de ce plan que je vais exécuter pour ensuite devoir construire les actions et les mini-actions micro à devoir être implémentées, le travail nécessaire avec une vision plus micro de la situation. Cette vidéo sera probablement intéressante et pertinente à regarder plusieurs fois parce que ce que je veux vous partager et vous révéler ici a une puissance tellement grande qu'elle a transformé ma façon de faire du business, de voir les choses et surtout ma façon d'être efficace et productif. Là où certains ont besoin de beaucoup de temps pour pouvoir atteindre certains retours et résultats, eh bien moi en prenant des chemins différents, j'arrive à atteindre des résultats beaucoup plus avancés. Et je veux que vous fassiez la même chose, simplement en comprenant ce principe qu'avant chaque chose, il y a toujours cet état de macro, regarder ses actions, ses plans, c'est quoi le regard macro, donc la situation, l'analyser de façon plus grande, générale, pour pouvoir comprendre tout avec ce temps de réflexion stratégique. Et ensuite, lorsqu'on rentre dans cette façon micro, quels sont les détails justement à devoir exécuter, appliquer lorsqu'on est dans cette situation et surtout comprendre la séquence et l'ordre dans lequel tout cela doit être composé pour être vraiment plus efficace, plus productif et attirer l'abondance dans votre vie. Voici à présent les 5 stratégies à pouvoir suivre dans cet ordre-ci pour pouvoir être plus efficace, productif, attirer l'abondance chaque jour de votre vie. La première des choses, c'est de distinguer les actions macro des actions micro. Lorsque vous êtes ici en train de lancer un projet et lancer une opération, quel que soit le projet, vous devez distinguer quelles sont les actions à faire qui sont dans un état macro et quelles sont celles qu'il faut regarder au niveau micro. Je prends un exemple simple, si vous voulez créer une entreprise, lancer votre entreprise. Le fait de lancer cette entreprise, c'est l'action, les actions macro. Il y a donc le projet de façon générale, c'est qu'il faut lancer cette entreprise et le résultat final, c'est que c'est une entreprise lancée et créée. C'est comme si on regardait de plus loin et on a le plan général, la vision macro avec peut-être les grands blocs de cette carte, mais nous n'avons pas encore le détail.
de ce qui doit être réalisé, de ce qui doit être appliqué. Et ensuite, lorsqu'on prend cet objectif dans cet ordre-là, on va ensuite regarder la partie micro. C'est par exemple développer un volet de vente spécifiquement. C'est par exemple faire une étude de marché spécifiquement. C'est par exemple recruter des collaborateurs ou partenaires spécifiquement. C'est peut-être réunir les fonds. Vous voyez qu'ici, on est déjà dans un état macro et micro, c'est-à-dire beaucoup plus large. Et ensuite, on descend d'un étage pour pouvoir voir des détails. Ça ne s'arrête pas là parce que si vous comprenez bien l'exercice, chaque action qui est micro, qui est petite, qui a été qualifiée de micro, peut à son tour devenir une action macro. On peut prendre cette même action micro et la passer de l'autre côté, la regarder d'un point de vue macro, plus large. Elle devient cette fois-ci l'action large. Et ensuite, une fois de plus, on va, pour cette action qui était avant micro, mais maintenant qui est macro, plus large, aller plus en détail et voir quelle est l'action et les actions micro qui sont ici liées à cette action macro. Je reprends ce même exemple. Créer mon entreprise, c'est le projet, c'est le macro. Je veux créer l'entreprise, voici le résultat. Je regarde ce qui doit être fait. Ensuite, façon plus micro, j'ai des actions. Je dois par exemple lancer cette partie de vente, recruter, gérer la partie financière. Donc ça, ce sont les points beaucoup plus petits d'un étage plus petit, plus précis. Ensuite, je reprends cet étage à toutes ces actions séparément et je les passe les unes après les autres à un point de vue, à un niveau macro. Je prends par exemple la partie recrutement et je la mets à un niveau macro. Le recrutement, c'est ce que je dois faire. Je dois recruter combien de collaborateurs? Imaginez, je dois recruter 3 collaborateurs pour commencer, 3 prestataires pour m'aider dans mon projet, dans mon business. Et maintenant, pour cette action-là, qui était une action micro avant, qui est cette fois-ci macro, quelles sont les actions micro qui sont liées à cette action? Par exemple, pour le recrutement, je vais me dire, pour cette action-là, les points micro, les actions micro, c'est de fixer autant de rendez-vous, c'est d'avoir autant de formulaires, autant de, par exemple, échanges, autant de sélections. Bref, je décris et je détermine toutes ces actions qui sont des actions micro plus en détail. Je peux aller beaucoup plus loin. Je prends ici par exemple le microscope et je vais au millimètre. Je prends ces actions et je les passe ensuite à un niveau qui cette fois-ci est macro et je rentre plus en détail en me disant pour ces actions qui étaient avant micro et maintenant macro, comment faire pour aller dans le détail. Vous voyez, quand vous commencez comme ça à identifier, à distinguer les actions micro des actions macro qui sont importantes pour votre business, vous ne partez pas dans tous les sens. Il y a un temps, quand vous regardez la partie action, c'est la vue d'ensemble. C'est comme si vous regardiez le puzzle complet. C'est essentiel. Et ensuite, lorsque vous avez le puzzle complet, vous devez regarder pièce par pièce pour pouvoir le construire. Si vous ne faites pas dans cet ordre-là, vous risquez de passer tout votre temps ici à vouloir construire cette belle image sans y arriver et en étant frustré au milieu et à la fin. Lorsque vous avez identifié ces actions micro des actions macro, la deuxième grande action à faire, c'est de pouvoir les séparer. Vous les séparez parce qu'il y aura un temps pour tout. Et j'aime bien cette idée de stratégie où on répartit les blocs de temps. Vous créez des blocs de temps, bloc de temps pour les actions macro, le regard macro, déterminer ce plan, cette stratégie, cette vision. Et puis un autre bloc de temps pour ces actions micro, surtout si vous en avez déterminé plusieurs. Vous pouvez comme ça prendre votre agenda et pouvoir comme ça les organiser dans le temps en notant cette action-là pour celle-ci. Ces actions micro sont réalisées tel moment et tel autre. Et vous les séparez donc pour apporter un effet de levier plus puissant, être concentré et consacré totalement à chacune de ces activités, en ayant cette perspective, en les mettant dans un bon cadre, dans un bon conditionnement, dans des bonnes justement circonstances pour pouvoir les appliquer de façon plus stratégique. Lorsque vous avez séparé ces actions micro des macros en termes de blocs de temps, en termes de justement de répartition du temps, la troisième action à faire cette fois-ci, c'est de pouvoir soigner la séquence, c'est-à-dire de les faire dans un ordre très précis. Et cet ordre, il est le suivant, commencez toujours par les actions macro, la détermination de ces actions macro avant de rentrer dans les micros. Ça paraît logique et pourtant sur le terrain, ce n'est pas ce qui est fait. Vous-même, si vous prenez le temps de repasser cette vidéo, d'observer votre semaine, le mois et les actions passées, présentes et futures, vous verrez que vous êtes sans doute en train de mélanger ces actions parce que ce sont des notions peut-être qu'on connaît ou qu'on a entendues, mais dans la pratique, de façon aussi expliquée, stratégique et simplifiée, vulgarisée, on n'a pas l'habitude de le voir ni même de le faire. Donc si vous prenez ce temps, toujours commencez par cette partie macro. En d'autres termes, ce temps de réflexion stratégique qui m'est cher et dont je parle souvent en disant ça ne sert à rien de partir dans l'action comme tout le monde vous dit, parce que si vous partez dans l'action et que vous allez contre un mur, vous allez droit dans le mur avant tout le monde, ce n'est pas un plan, une action stratégique. Il a manqué de réflexion stratégique au préalable. La séquence est importante. Donc vous commencez par là. Et lorsque je parle de macro, c'est également cette vision. Si vous êtes dirigeant, entrepreneur, leader, vous savez que la vision est importante avant de construire les plus grands empires, les plus grands projets. On part de cette vision. Ce temps de macro,
c'est ce moment où on a cette vision, on a ce dessin, on a ce schéma, ce plan global de là où ça doit aller, comment, à quoi ça doit ressembler et les gros blocs. Et ensuite, lorsqu'on passe de la partie micro dans cette séquence-là, dans cet ordre-là, on est dans l'exécution, on ne réfléchit plus beaucoup parce que tout a déjà été réfléchi et pensé, on réfléchira plus tard. Là, on exécute et on est dans ces actions stratégiques et massives. Et donc là, vous comprenez que cette idée de séquence est importante. Vous pouvez ensuite penser à alterner entre ces actions ici macro et ces actions micro, actions macro, micro, pour avoir toujours une perspective. Et lorsque vous êtes dans le micro de façon continue, vous prenez le temps de revenir dans le macro pour regarder ici de loin ce que ça donne. Est-ce qu'on est toujours dans la bonne direction? Est-ce qu'on avance toujours comme il faut pour pouvoir ensuite reconstruire? C'est un jeu, une pratique quotidienne qui vous emmène au plus haut sommet. Lorsque vous avez soigné la séquence de vos actions macro et micro, la quatrième stratégie à pouvoir appliquer cette fois-ci, c'est de donner de la valeur à vos actions macro et actions micro. Vous leur donnez une valeur en termes financiers, en termes d'argent. Combien ça vaut? C'est une valeur à combien? Comment peut-on mettre un coût pour chacune des actions? Ben vous regardez ce qu'il y a à faire dans ces blocs-là et vous regardez qu'est-ce que ça vaut, qu'est-ce que ça rapporte pour l'entreprise. Il y a des actions qui ont plus de poids que d'autres. Par exemple, si vous êtes aujourd'hui la personne qui avait la vision, qui avait le plan, qui avait la stratégie, et si vous avez la personne, par exemple, qui va exécuter ou qui va simplement construire le visuel, le design de la chose, par exemple, si c'est une de vos actions micro, il n'y a pas le même poids en termes d'argent et de retour sur investissement. Qu'est-ce que ça apporte à votre entreprise en termes d'argent? Bien évidemment, c'est la somme de toutes ces actions qui fera en sorte que votre entreprise grandira. Mais il y a des actions qui ont un effet de levier plus importante que d'autres. S'il n'y a pas de stratégie, de réflexion stratégique qui est faite de façon brillante, eh bien, il n'y aura pas d'exécution ensuite. S'il n'y a pas, par exemple, un travail pour trouver votre offre et la rendre magnétique et irrésistible de façon stratégique et réfléchie, peut-être dans une action macro ou peut-être dans une action micro en fonction de la séquence que vous choisissez, eh bien, il n'y aura peut-être pas ensuite de vente. Donc, à vous de déterminer dans toutes ces actions micro et macro, quelle est la valeur que vous obtenez. Si par exemple, vous savez que quand vous faites cette activité-là, ça vous rapporte autant, divisez ce que vous avez gagné par le temps que vous avez investi. Vous divisez ce que vous avez gagné par le temps que vous avez investi et vous saurez combien, par exemple, à l'heure, à l'horaire, ça vous rapporte. Si vous avez investi, par exemple, 10 heures pour une action et que ça vous a rapporté 10 euros, vous êtes donc rémunéré à 1 euro de l'heure. Ce n'est pas le cas, bien évidemment, c'est pour l'exemple, pour que ce soit beaucoup plus simple à comprendre. Mais vous savez que c'est une action qui est à 1 euro de l'heure. Et si vous faites ensuite le même calcul pour une autre action qui, elle, est à 500 euros de l'heure, 1000 euros, 10 000 euros de l'heure, par exemple, vous avez compris, là, vous avez donné de la valeur à chacune de ces actions. Ce qui nous permettra ensuite de pouvoir faire la cinquième stratégie. Et la cinquième stratégie, cette fois-ci, c'est de répartir et de déléguer les bonnes actions aux bonnes personnes pour obtenir les bons et les excellents résultats, travaillant en efficience. Lorsque vous connaissez cette valeur, vous pouvez facilement et simplement déléguer et répartir parce que votre seul objectif, c'est de savoir à combien vous êtes rémunéré par heure, combien vous estimez que vous êtes rémunéré par heure. Et ensuite, lorsque vous avez déterminé cette valeur pour vous, toutes les actions et activités qui sont en dessous de ça, vous devez donc les déléguer et les répartir aux bonnes personnes. Et s'il y a des activités qui ont beaucoup de valeur, mais pour lesquels vous n'avez pas développé la compétence vous-même, entourez-vous des bonnes personnes. Parce que ce sont des activités sur lesquelles vous devez miser et vous verrez comme ça que vous avancerez de façon très productive, efficace, pour réaliser les projets qui sont importants pour vous, attirer l'abondance financière de votre vie pour le restant de votre vie. Pour résumer ensemble les 5 stratégies que nous avons vues ensemble pour être plus efficace, pour être plus productif dans votre travail, dans votre activité, dans votre business et attirer l'abondance, la première des choses, c'est distinguer les actions macro des actions micro. La deuxième chose à faire, c'est de séparer les actions macro des actions micro. La troisième action à faire, c'est de pouvoir organiser et soigner la séquence en commençant toujours par les actions et les activités macro avant d'aller dans les micros. La quatrième action à faire et stratégie, c'est de pouvoir donner de la valeur à ces actions pour savoir le poids qu'elles ont ici. Et puis la cinquième stratégie, c'est enfin pouvoir répartir et déléguer les bonnes actions aux bonnes personnes pour pouvoir avancer sereinement et beaucoup plus productivement. Et si vous suivez cette vidéo jusqu'à présent, c'est que vous êtes dans le business, vous vous intéressez au business, vous êtes sur le point de vous lancer, vous voulez savoir comment accélérer votre business, faire beaucoup plus de choses, obtenir beaucoup plus de résultats, de retours en investissant peut-être le même temps ou moins de temps pour gagner en liberté financière. Pour vous récompenser d'avoir suivi ce partage jusqu'à présent, je voudrais vous inviter à une conférence en ligne offerte dans laquelle je vous montrerai exactement le modèle de business simplifié que nous utilisons pour transformer de parfaits inconnus des visiteurs en clients haut de gamme, en gagnant beaucoup de temps, en étant très productif et en étant comme ça bien rémunéré pour le faire, en apportant de la valeur ajoutée pour nos meilleurs clients et en
développant ici la qualité de vie qui est importante grâce à cette productivité, cette efficience pour attirer cette abondance. Vous pouvez participer depuis le confort de votre ordinateur si vous cliquez sur le i comme info ou quelque part ici sur cette page dans la description. Vous pourrez choisir une disponibilité qui correspond le mieux à votre calendrier et vous pourrez suivre cette présentation depuis le confort de votre ordinateur. Vous aurez également l'occasion de télécharger deux documents très puissants que nous utilisons dans nos business. C'est le parcours de l'entrepreneur prospère et la pyramide de croissance à 7 chiffres. Ces deux documents sont des documents qu'on utilise pour développer des business aux multiples 7 chiffres. Vous permettront de faire les bonnes actions dans le bon ordre au bon moment. Donc pour y participer, tout est ici sur le i comme info si vous êtes sur mobile ou tout est dans la description. On a vu ensemble dans cette vidéo justement comment être plus productif pour pouvoir être plus efficace dans votre travail, attirer l'abondance. Mais qu'en est-il lorsque vous êtes dans des difficultés, lorsque vous ne voyez plus de solutions, quand vous avez le sentiment de tout tester et que vous êtes bloqué et que vous ne trouvez plus les solutions pour avancer et progresser? L'excellente nouvelle pour vous, c'est que j'ai créé une autre vidéo que je vous partagerai ici sur cette même chaîne dans les prochains jours. Pour ne pas la manquer, je vous invite donc à cliquer ici sur le bouton s'abonner qui est juste là, le bouton rouge qui est juste là, et de valider la cloche qui apparaîtra. Et si vous n'êtes pas ici sur ma chaîne YouTube, vous pouvez rejoindre sur YouTube Zico Kiax. Abonnez-vous à la chaîne pour être informé de cette prochaine vidéo. Voilà mes passionnés de liberté. Si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le moi avec un grand pouce comme ça vers le haut. Ça prend 2 secondes. C'est juste au bas de cette vidéo. Pensez à me laisser au bas de cette vidéo un commentaire. Dites-moi, parmi ces 5 stratégies, qu'avez-vous trouvé de plus pertinent ici dans cette idée de technique macro et micro action? Qu'est-ce que ça peut apporter de plus dans votre vie? J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire, à échanger ici avec vous. Pensez également à partager cette vidéo à d'autres passionnés de liberté qui méritent comme vous de recevoir ces enseignements stratégiques. Et pour assister à cette conférence en ligne offerte, vous pouvez cliquer ici quelque part sur cette page et télécharger les 2 documents très puissants qui vous aideront à faire les bonnes actions dans le bon ordre au bon moment. Merci infiniment de votre amitié. Je suis ravi de pouvoir échanger avec vous régulièrement, encore et encore. Toute mon amitié, c'était Zico Kiax. À très vite. Merci.